Tous les Camerounais sont en feu. Le feu sur tous les Camerounais. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. Et sortez, sortez, sortez. Il y a tellement là, c'est gâté. C'est quoi? C'est quoi? Viens la police. Wow, venez. Venez, venez. Ça va péter. C'est grave. On parle de Diana Bouli, hein. Dis que le tout si c'est grave, c'est très très grave. Mais il y a eu même quoi? C'est ça qu'on peut avoir comme ça. Mustapha, moto, moto. Celle qui se prenait au départ pour le modèle de la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, c'est elle qui met en exergue les dépravations des mœurs, la dévalorisation de la femme. Qui est même cette Diana Bouli là? C'est la fille que KS Bloom avait donné une bague de reconnaissance. Mais apparemment, cette fille-là, actuellement, là, s'est gâtée. Pardon la fille noire qui insultait KS Bloom là. KS Bloom, je te demande pardon. Demande aussi pardon à Arcel. Hein. Arcel Meuril, je te demande pardon. Pardon, moi Marie Bibi, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire sur toi. Ok, vous dites que cette fille a fait quoi? Regardez ce qui se passe. Quelqu'un se place aujourd'hui, elle dit qu'elle veut la visibilité. Mais Diana Bouli, de quelle visibilité parles-tu? Mais elle suit juste le chemin de ses soeurs, non? Lady a carrément secoué ses meubles d'odieux. Et puis elle a dit à la populace excitée de la fermer et de parler de ma. Tu confies maintenant mes propos. La mondaine a vu ça, sachant qu'elle-même aussi, elle n'est pas négligée. Qu'elle-même aussi, elle a les meubles à l'état brut. Surtout quand elle ouvre une lune de Munyanga sur ça. C'est grave. Vous croyez vraiment que vous pouvez me faire l'éducation de cette enfant? Chers artistes, chers influenceurs, dont votre rôle, c'est de discuter seulement des affaires de cul. Allah. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Diana Bouli est en train de vendre le piment. Elle commence à vendre le piment, le piment. Je suis tellement, mais tellement déçue. La Diana Bouli qu'on a connue, qui nous a fait rire, qui était drôle. Oh, arrêtez comme ça. Ça fait pratiquement un mois qu'on vous demande de parler de l'affaire Martinez. Vous êtes tous dans le noir, vous êtes tous dans l'obscurité, chacun ferme sa bouche. Aujourd'hui, une histoire de sang, le son de machine, de tout ça. Aujourd'hui, vous êtes incapable. Chacun sort de son trou à rat. Diana Bouli, elle est quoi? Elle est qui? Point d'interrogation. Pause publicitaire. Tu es promoteur culturel, tu es artiste et musicien, producteur ou réalisateur ou encore écrivain. Vous cherchez une belle salle pour présenter vos œuvres. Contactez rapidement les Las Vegas situés au niveau de Pont Emana à Messassi, derrière Amouba, à Yaoundé. Vous voulez organiser également vos événements tels que le mariage, le baptême, l'anniversaire ou d'autres événements. Contactez les Las Vegas pour la location de la salle. Une salle climatisée avec des jeux de lumière importés. Ah bon? Un DJ, des couverts, un tapis rouge et des chaises royales. Les Las Vegas, c'est également l'hébergement, la restauration et un snack VIP pour vos divertissements. Contactez rapidement ce numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Et d'ailleurs, mon message, parce que je ne vais même pas présenter les conneries là à mes fans. Hein? C'est vous qui augmentez son audience. Ce que je voulais dire à mon gouvernement. Premièrement, il faut organiser une messe d'action de grâce. Parce qu'on connaît Guila, ne les dit même plus rien. Si ça les disait quelque chose, c'est qu'après la sortie de leur soeur, ou c'est Christelle Atangana, ou c'est Fiangang, quoi là, ça devait laver la tête de n'importe qui. Je pense qu'actuellement, il faut organiser une messe d'action de grâce à la cathédrale, où on va inviter Muriel Blanche. On va inviter, parce que c'est elle qui a commencé ça tout récemment, si. On va pardonner les autres de depuis là. Hmm? Quand je parle de depuis là, Nathalie et tout le reste là, on va les pardonner. Mais celles qui sont récentes, on va organiser une messe d'action de grâce pour ces filles là. Donc, on va inviter Muriel Blanche. On va inviter Lady Ponce. On va inviter, il y a une autre là qui est passée à Equinox dernièrement là. On l'appelle Annie Anzoué. Elle avait aussi les trucs là dehors. On ne veut plus ça. Donc, on va aussi l'inviter. On va inviter également Cynthia Fiangang, on va inviter l'ancienne Miss Cameroun là, parce qu'elle-même, je l'ai vue à la plage là, elle avait tous ces trucs là dehors, la Miss Cameroun 2022, on va l'inviter. On va également inviter celle de Diana Bouli là. Bon, complétez la liste, hein, parce que si j'ai oublié d'autres noms là, on va organiser une messe d'action de grâce, on va prier, on va enlever les démons, parce que ça c'est le démon d'une tote qui pénètre déjà dans le corps de ces filles-là. Et quand elles font ça, ou c'est ces femmes-là, quand elles font ça, nos petites soeurs, nos filles que nous avons à la maison, vont seulement suivre l'exemple. Donc, la meilleure façon là, maintenant, c'est d'organiser une messe d'action de grâce où on va enlever les démons, là, l'esprit de pimenterie là, en elles. Donc, je pense que c'est la solution. Parce qu'on connaît, honnêtement, ça ne les dit plus rien.
On sait que quand on te met en Konengila, ça te rend même plutôt célèbre. On a vu l'autre après sa sortie de Konengue, plutôt encore devenu plutôt star même de cinéma. Donc, je pense que le gouvernement doit réfléchir comment faire, comment organiser une grande messe d'action de grâce pour enlever les démons sur toutes ces femmes-là. Et si j'étais le président, je devais ordonner les gardes, je devais mettre les gardes de la mairie qui attrapent les motos partout, partout là. Les jeunes qui se débrouillent, on attrape leurs motos pour les embrouiller. On devait plutôt organiser tous ces gens-là dans la rue. Dès qu'une fille passe avec ce genre d'habillement-là, on fouette correctement, on tape, on attrape les motos-là, on fouette. Comprenez, si on faisait ça, c'est qu'on ne devait plus voir ça même sur Facebook. Oui, on sort une note, on sort le communiqué, on dit, si on voit encore une fille sur Facebook qui s'expose comme ça, on envoie seulement les gars de la mairie là, pap, on prend, on fouette, on n'en fait même pas, on fouette seulement, on enlève l'esprit là dans son corps. En vrai, c'était le général Franco. Si tu as aimé la vidéo, il faut liker et surtout abonne-toi si tu es nouveau. Et si tu es ancien, aidez-moi à partager pour m'encourager. Abonnez-vous sur la meilleure chaîne, la chaîne Franco TV, hein? La chaîne de l'information et du divertissement. C'est de ça qui... S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.